Ok, ok, bah écoute, on continue à s'enfoncer dans la grotte, on déroule du câble, on arrive jusqu'à la plage et après on fixe le câble un peu partout dans la grotte. Donc on a la boîte qui est ici, d'où part le câble 200 mètres qui rentre dans la grotte et le câble de 5-10 mètres pour la caméra extérieure. Et la dernière chose qui est à l'extérieur, c'est l'antenne 3G, 4G pour essayer d'attraper le réseau téléphonique et transmettre les images par cette voie-là. Il y a une caméra qui est à l'intérieur, dans le fond de la grotte, près de la plage où les phoques se posent. Ici, pour l'extérieur, on va mettre une deuxième caméra qui va permettre de faire le lien entre les conditions météorologiques extérieures, principalement, et l'intérieur de la grotte. Donc on saura, par exemple, quelles dimensions de vagues à l'extérieur vont impacter l'intérieur en fait. Et l'autre raison pour laquelle c'est intéressant d'avoir une caméra à l'extérieur, c'est de voir un petit peu le trafic, le nombre de bateaux qui viennent, qui s'approchent, les gens qui rentrent dans la grotte ou pas, s'il y a des ferries de touristes qui passent. Donc c'est toutes ces informations-là qu'on peut obtenir avec la caméra extérieure. Parfait, mais là c'est bon. C'est bon ouais. Ça marche. Mec. Non, en haut là. Ouais. Mais orienté comme ça, donc du coup on a la baie autour. Ouais.